Retrouvez votre chaîne de télévision LTM disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du canal 308 et le bonheur s'offre à vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. Commerce illicite qui s'est implanté progressivement dans les grandes villes, métropoles du Cameroun et même dans l'arrière-pays. Vous l'avez dit, Jean-Germain Yetna, et avec vous et Château-Vallon-N, nous sommes rendus en Consamba, chef du département du Mungo, pour justement comprendre les méandres du business, du médicament de la rue, bien que conscient des risques de l'automédication qui semble être devenue le lot quotidien des populations du Cameroun et des dangers liés à la consommation de ces médicaments issus de la rue, la cible qui se recrute parmi les populations à faible revenu évoque l'argument financier. L'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, à la faveur de la journée célébrée il y a encore quelques jours, parle de 50% de médicaments qui sont vendus dans la rue. Jean-Germain Yetna, justement, et Château-Vallon-N. Watt est un vendeur des médicaments de la rue en Consamba. Ce chef de famille et père de 9 enfants exerce l'activité depuis 45 ans. Parce qu'on trouve les produits chez nous à un court prix. Le prix est bon. Et les mêmes produits qu'on les trouve en pharmacie, c'est les mêmes produits qu'on trouve sur le marché. Et si nous sommes dans ces produits, c'est parce que nous aussi, nous avons été à l'école, nous avons fréquenté. Au moins chercher ce qu'on doit manger, on doit passer aussi par là pour sauver aussi les vies. Parce que les gens disent toujours que les médicaments de la rue tuent, ça fait ceci. Alors que partout on utilise les mêmes produits. Dans les pharmacies, c'est les mêmes gens qui livrent les pharmaciens, qui nous donnent aussi quelques produits à vie près. Comme ce vétéran dans le business, ils sont nombreux, ces pharmaciens de la rue, qui sauvent des vies en Consamba grâce à ces médicaments controversés qui s'arrachent à vil prix. Moi, par exemple, je suis à 35 ans là-dedans et nous aidons des gens. Voilà, par rapport au prix, nous utilisons des génériques pour aider les gens. Et tous ces gens-là, toutes les guérisons, les gens viennent nous faire des cadeaux. Nous avons les mêmes molécules que tous ces gens-là. Et ces médicaments-là, ils le disent, on fabrique le coco, mais c'est faux. C'est des grands laboratoires indiens, allemands, qui fabriquent ces médicaments et qui nous fournissent aussi. Les médicaments de la rue, vraiment, nous soulagent, c'est à bas prix. Dans les pharmacies, les médicaments sont extrêmement chers. Quelqu'un qui a peut-être le palu, qui ressent peut-être le palu, lorsqu'il vient au poteau, il trouve satisfaction. Parce que les prix sont bas et ça soulage. Les populations ont recours aux médicaments de la rue parce que ils coûtent terriblement moins cher par rapport à la pharmacie. Les syndicats en pharmacie, les médicaments pour simple passage en climatisation, les prix sont gonflés, les prix sont exorbitants. Et pour les populations qui n'ont pas le moyen, que faire? Tout le monde est obligé de se rabattre vers la pharmacie de la rue pour trouver les médicaments à bon prix, qui le plus souvent, il faut le reconnaître, apporte des résultats, ça c'est clair. En plus, la pharmacie de la rue ne connaît pas les jours de, comment je vais dire, les jours de garde. Ça dit qu'on peut trouver les médicaments là-bas. Nous sommes dans la ville de Consamba, on peut trouver les médicaments là-bas. Même le dimanche, à 20h, on peut trouver les médicaments là-bas. Conscient du danger que représente la consommation de ces médicaments, mais l'argument financier pèse très lourd chez la cible à faible revenu. On aura beau nous dire que la chaleur vient détruire les principes actifs du médicament de la rue, ou le froid extrême vient détruire les principes actifs du médicament de la rue, ou alors transforme ces médicaments-là en poison, mais nous aurons recours à partir du moment où ces médicaments-là nous apportent des résultats. Et vraiment, il faut le dire, coûte extrêmement moins cher. Dire que j'ai été informé un jour où j'ai découvert simplement que quelqu'un a consommé des médicaments de la rue et puis a succombé, hein? Moi, à mon avis, jamais. C'est-à-dire que
Tout ça, c'est des racontages. Par contre, à la pharmacie, le médicament qui coûte peut-être 1500 au poteau, en pharmacie, ça va coûter 3000, voire 3500. Raison pour laquelle, vraiment, les médicaments du poteau sont moins chers et ça me soulage. Je ne vois aucun inconvénient avec les médicaments du poteau. Selon l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, la prolifération de ces pharmacies de fortune a un sérieux coût dans les stores des officines pharmaceutiques. Au Cameroun, on forme par an environ 150 pharmaciens, sans compter la cinquantaine de pharmaciens qui viennent de l'étranger étant formés. Donc nous avons assez de ressources pour combler. Pour preuve, aujourd'hui dans les villes de Yaoundé, Douala, nous avons à peu près 200 pharmaciens qui attendent ouvrir les officines. Mais quand vous voyez qu'il y a des pharmacies qui n'arrivent pas à supporter leurs charges, nous voyons mal comment déployer toutes ces officines. C'est vrai, nous faisons l'effort de déployer, mais nous ne déployons pas suffisamment comme nous le souhaitons. L'Ordre national des pharmaciens estime par ailleurs que les ventes illicites des médicaments représentent 40% du marché mondial et 50% des médicaments sont vendus illégalement au Cameroun. LTM, la télévision du monde inspirée par vous.